tout le monde, on se retrouve pour la partie 2 du démontage du moteur d'Airbee. Bon, on va se retrouver tout de suite. On s'avait arrêté la dernière fois qu'on a démonté le carter. On n'avait pas démonté encore l'embrayage et tout ça. Là, c'était ce qu'on va faire. Je pouvais pas le faire la dernière fois parce qu'il fallait prendre des colliers de serrage pour pas perdre toutes les pièces. C'est pour ça. Allez, on se retrouve à tout de suite. Ah mais la dernière fois je crois que c'est moi qui les avais enlevés en plus. Il y en avait chier déjà pour les enlever, putain. Sinon il changera et ça. Ah ouais, la personne c'est pas la peine. Bien pris en plus. Ah. Ah. En fait, faut bien s'appuyer comme ça et faut et tenir. Sinon, ça s'enlève pas, que ça accroche bien. Je vais essayer de les changer. Ça. Les embrayages, c'est pas la peine parce que ils sont tout neufs. Ouais, ils ont peut-être un an au max. Les embrayages, il va falloir les mettre dans l'huile. C'est ce qu'on va faire. On les remontera. Hop. Ah bah oui, il y a un truc qui est bizarre. Bah oui, il y en manque une. Oh putain, celle-là va pas venir. Un père chier. Ça marche pas. Ah voilà. Ouais, bah, les vis on va les changer par contre, on les remettra pas. Ouais.
C'est dommage, j'ai du mal à lui, ça. Là, vous voyez ce qu'il y a là-dedans là. Je sais pas ce que vous voyez bien. Ici. Ben là, on va le tordre, on va le détordre pour enlever le boulon. Il n'est pas prêt d'enlever. Hein. C'est une petite ronde. Voilà. Alors maintenant, on va voir c'est quel rondet qui va dessus. Bon, c'est pas celle-là. C'est 21 en fait. 21, t'es sûr? Ouais, c'est parce que c'est ça qui. C'est pas si. Le truc est pas assez bas. Alors ce qu'on va faire, on va prendre un collier. Attends, qu'est-ce qu'il me faut? Ouais, voilà. Voilà, ça vient comme ça. Attends, ouais, parce que c'est la première fois. Ça vient comme ça. Ça c'est le vibro-requin ça. Voilà, je prends un collier de ça. Ouais. Ah putain! Et voilà.
ça, sûr qu'on perdra rien. Voilà. Ça c'est le clic pour passer les vitesses. Ça c'est le clic pour démarrer la moto. Juste vider l'huile qu'il y a dedans. On va commencer à faire l'autre côté. Oh, et puis merde. Hein. Lui qui coule partout, hein, puis... attends. Il y a quelqu'un là par ici en vue. Bon, attends, je rechange de gants là parce que. Bon, on va essayer de démonter celle-là. Après, il y en a une autre ici. Ici, dans le coin là. Bon, je vais rapprocher. Juste ici. C'est là non. C'est l'espace. Thank you.
Ah, ça approche pas. Ça accroche. Il va falloir que je trouve. Il est peut-être un peu fort, il est un peu baisé aussi, hein, ce que celui que j'ai. Ok, je trouve des petits boulons là qui accrochent. Vite. Bon. Ça va essayer de tomber. On va enlever là. Qu'est-ce qu'il y a là? Ici. On va enlever. Là, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, ça, c'est quoi, quoi? Là-dessus, c'est quoi? Ah putain, il a sauté le con. Là, ce qu'on va faire, pas pour faire des choses, on va mettre un collier de serrage. Faites ça comme ça. Ça, on est sûr, pas de perdre les affaires. Et voilà. Là, il y en a une, mais c'est pas la peine de l'enlever celle-ci. Et voilà, on pose ça là. Tirer. Qu'est-ce que vous faites? Là, la même chose. Vous prenez un collier de serrage. Pas tellement pour les boulons, mais c'est ce qui va avec. Vous mettez ça là, hop. Ça. Vous essayez de mettre ça entre les deux. Ah.
J'ai fait une boulette. Je me suis trompé de côté. On fait la même chose. De ce côté. Mettez ça là, hop. Ouais. Vous serrez. Mettez à l'envers. Ça bouge pas, voilà, et après vous mettez là dedans. Ah il y a ça vient du vibro-cœur, ça on va le savoir. Vibro-cœur, ouais. Ah mais non, ça vient pas du vibroquin, ça, en fait. C'est la boîte à vitesse, ça vient de la boîte à vitesse, en fait. Vibroquin, c'est ça. Oh, ouais. Bah ça, je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai pas l'arrache. Ah ben voilà, ça va s'y enlever. Ça pour pouvoir le faire, je vais mettre un peu le serrage aussi. Attends, je vais lancer un peu. Ah oui, mais il y a une rondelle. Oh bah, faut l'attacher avec. Donc on la remet du bon sens. Mettez votre cueille comme ça. Voilà, c'est un truc qu'on peut pas attacher, c'est vis. Bien le savoir, hein. On va remonter. Et voilà. Les petites vis. Vous le mettez là. Vous n'avez pas besoin de visser, je pense. Ah, ça non plus. Bah, il y a juste ça. Faudrait que j'achète un axe. Ah, je crois. Et pour ces vis-là.